beaucoup de monde qui vient depuis ce matin? Oui, depuis 6 heures, c'est commencé jusqu'à maintenant là, on n'est pas arrêté du tout. Hein. On a beaucoup de monde ici là. Et pourquoi les gens se précipitent à la pompe? Ah, et les gasoils, il y en a beaucoup, plus qu'à le simple. On a peur de manquer, monsieur. Oui. Donc, et les gens ont peur de manquer d'essence, justement? Oui, la peur qu'on n'a plus de gasoil, donc on fait le plein tout le temps. Vous êtes venu faire le plein pour une raison particulière? Ben, on m'a parlé de la grève et puis surtout que je suis à court de gasoil, donc voilà. Ça me semblait évident de venir faire le plein. Et j'ai un peu galéré avant, donc là j'ai vu qu'il y avait la queue, donc ça m'a semblé bon. Vous avez fait combien de stations avant celle-là? 5 sur Saint-Denis et une au port. D'accord, donc les 5 stations étaient prises d'assaut? En grève, soit fermées ou soit plus du tout de gasoil. Après, de l'essence, apparemment, il en reste. Mais le gasoil, c'est gasoil et sans plomb, il n'y en a plus. Vous êtes venu ce matin par peur d'être en rupture d'essence? Pas du tout. Pas du tout, c'est parce que j'en avais plus, c'est tout. Mais est-ce que vous avez entendu parler d'une grève quelconque ou d'une pénurie quelconque? Oui, comme d'hab. La grève, oui. Une pénurie, non. Et ça vous effraie? Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai un vélo, moi. Donc en fait, ça me ferait faire du sport. Mais sincèrement, non, les gens, ils ont trop peur ici. J'ai l'impression qu'ils ont toujours peur de manquer, alors qu'ils manquent jamais de rien. Ils en ont 10 fois trop, les gens, ici. Il y a plus de monde que d'habitude aujourd'hui. Tout à fait. Bon, ben là, on est en ventre-corps, mais si seulement les gens se comportaient normalement, je veux dire, il n'y aurait pas d'incident sur le carburant. Mais malheureusement, les gens s'affolent un peu et ils ont tendance à faire le plein, même qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, même des gens qui ne roulent pas beaucoup. Donc, c'est ça qui va pénaliser forcément les stations pour être à sec bientôt.